Amis du puzzle de la vérité, bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous. Alors aujourd'hui, en cette fin du mois de février, j'ai une nouvelle maman qui a des choses à dire. Alors, est-ce que Lionel, elle est là? Oui, je suis là. Bonjour Lionel. Bon, Lionel, je viens simplement de dire que tu étais une maman, je voudrais que tu te présentes, d'accord? Et puis après, eh ben, tu as la parole pour nous dire les choses dont tu veux parler. Vas-y Lionel, tu as la parole. Alors, bonjour à tout le monde, je me présente, je suis Lionel, je vis à Boucau et avec mes deux enfants. Ça fait près de 12 à 13 ans que je suis en France et donc Et je me suis bien intégrée, donc voilà, je vis avec mes deux enfants. Et bon, depuis un certain temps, juste, je me suis séparée de mon ex et voilà, donc ça a basculé de problème en problème. Et en plus de ça, il y a des services sociaux qui se sont mêlés et puis mon fils m'a été enlevé il y a de cela une semaine, le 20 février 2023. Donc ça fait une semaine en fait. D'accord. Quel âge il avait, ce fils? Quel âge il a? Mon fils, il a 5 ans. En fait, j'en ai deux enfants. J'en ai un qui a plus de 18 ans et l'autre qui a 5 ans. C'est le même papa pour les deux enfants? Non, c'est pas le même papa, non. Donc là, tu as donc un grand qui, lui, il est indépendant, je suppose, maintenant, ton grand-fils? Oui. Oui, mais il vit toujours chez moi puisqu'il va toujours à l'école. Ah oui, d'accord. Disons que les services sociaux ne peuvent plus l'embêter, lui, parce qu'il est trop grand. Ouais. D'accord. Et alors, tu vas nous expliquer quelle est la raison exacte, le motif qu'ils ont fait pour t'enlever ton enfant, en fait. Alors, le motif qu'ils avaient, en fait, ils ont tenté, il y a de cela un an déjà, de me mettre le service, l'AMO, le service, comment on appelle encore ça, du GAM. Je ne savais pas ce que c'est. C'était un service de placement aussi, ouais. Mais qui avait été rejeté par l'ancien juge. Et parce que l'ancien juge avait dit qu'il n'y a pas de danger, donc on ne peut pas lui mettre ce service-là puisqu'elle est capable de garder son enfant. D'accord. C'était bien. Oui, c'était l'ancien juge qui était là, mais sauf qu'elle avait mis en place le service d'investigation judiciaire parce que l'AMO disait que... il y a trop de problèmes et en plus de ça, que c'est tout le monde qui se plaint de moi, donc de mettre l'investigation pour savoir ce qui se passe. Donc, j'avais en plus de ça l'AMO, j'avais l'investigation judiciaire, j'avais la ISF. Donc, tout ce monde-là venait chez moi. Et voilà, donc, ces derniers temps, l'investigation a jugé que je ne peux pas garder mon enfant parce que j'ai trop de problèmes. Problème est que je ne suis dans l'incapacité de garder mon enfant. C'est ce alors, que... Oui, alors là, Lionel, je veux bien, mais qu'est-ce qu'ils ont défini comme problème? Ils ont listé des problèmes? Ils ont donné des noms de problèmes? Non. Alors, ils mettent problème, mais ils ne mettent pas ce que c'est comme problème. Ouais, non, ils disent que j'ai juste trop de problèmes et que je suis toujours attachée dans les problèmes avec mon ex-compagnon, parce qu'on n'était pas mariés, et que ça insécurise mon enfant. Et c'était un rapport qu'eux, ils ont donné, il y avait, c'était en novembre, je pense, au juge des enfants. Oui. Et donc, le rapport de la TISF est venu contredire ce qu'ils ont dit, parce que la TISF, ils ont dit que je suis une bonne maman. Alors, là, quand tu dis la TISF, pour que les gens comprennent, c'est quoi la TISF? C'est une intervention, c'est l'aide sociale, en fait. C'est des personnes qui viennent pour aider, en fait, ils sont là pour nous aider, à nous accompagner au quotidien pour les personnes hospitalisées ou qui sont malades, qui ne peuvent pas accompagner leur enfant, en fait. Mais bon... Leur objectif, eux, c'était de venir contrôler, quoi. Donc, D'accord. Alors, moi, ce que je voudrais te poser pour que les gens comprennent la situation, est-ce que actuellement ou depuis quelques mois,
depuis que tu t'es séparé de ton ex, d'accord, ton ami, est-ce que la situation, elle est conflictuelle avec lui ou elle se passe à peu près bien? Non, elle est très conflictuelle parce que en fait, il amène à ce que ça soit conflictuel. Ouais. Il n'est jamais d'accord, il ne prend jamais l'intérêt de l'enfant. Il apporte toujours des problèmes à s'agacer entre nous deux. Donc, et moi, j'avais limité un peu les conversations. Ça veut dire que j'avais coupé le téléphone avec lui parce que c'était un peu trop tendu. D'accord. J'ai juste opté par mail pour communiquer avec lui pour que ça soit plus pour que j'aie des preuves parce que c'était trop conflictuel. Donc je n'entrais pas trop dans son jeu en fait. Alors, d'accord. Donc, c'est peut-être ça qui a été le motif essentiel des cerveaux sociaux, non? Non, pas vraiment, parce que là, ils ont dit que c'est moi qui a des problèmes, en fait. Parce que dans leur rapport, ils disent que c'est moi le problème. C'est moi qui a trop de problèmes et qui met les problèmes partout et ça insécurise mon enfant. Ouais, d'accord. Donc, Donc, alors, c'est-à-dire, ils utilisent abusivement le litige qu'il peut y avoir entre ton ex, et maintenant ils te mettent toi comme la responsable de cette situation-là. c'est ça. Ah ouais, donc c'est encore de la manipulation. Ils font tout le temps ça en fait, hein. C'est-à-dire que tu subis des choses et en fin de compte, c'est toi qui deviens coupable. Oui, et en plus de ça, quand il y avait des mails que mon ex envoyait de provocation, parfois même qui attaquait même mon avocate, et donc par mail, quand même, je relayais tous ces mails-là et j'envoyais à l'AMO en lui disant que, bon, voilà, il est en train de parler comme ça, il parle aussi, si. Mais sauf que tout ce que lui, j'envoyais à l'AMO, ils n'ont pas repéré ça comme un conflit, quoi. Comme si c'est lui qui fait un D'accord. conflit. Et quand tu dis que tu as une avocate, c'est ça? Une avocate, un avocat? Ouais, j'avais une avocate, mais bon, je pense qu'elle est... Qu'est-ce qu'elle a fait alors? Qu'est-ce qu'elle a Elle fait? n'a pas fait grand-chose, disons. Elle a fait à son niveau parce que... Sur certaines choses, elle essayait de les relayer, mais sauf qu'elle me dit qu'elle n'est pas écoutée. Bon, je l'ai vu aussi aux dernières audiences hein, qui s'est passée, ça datait de presque 3 semaines. D'accord. 3 semaines. Et donc, quand elle a plaidé, le juge des enfants de Bayonne l'a carrément coupé la parole. Elle a même perdu le fil des idées. Ah, Elle a dit, carrément. oui, elle lui a dit, mais laissez-moi plaider. Vous avez laissé les autres parler, mais moi, je n'arrive pas à plaider. Pourquoi vous ne me laissez pas plaider? Faut Et me laisser alors? plaider. Et elle a perdu le fil, mais elle a quand même relayé que ce que j'ai démontré avec les papiers que je lui ai envoyés, qu'il n'y a pas à s'inquiéter parce que la TISF contredit du rapport de janvier que Madame est une bonne mère. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va placer un enfant. Lorsque la TISF, qui est là pendant deux heures par semaine avec elle pendant 6 mois, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Donc eux, ils n'ont pas compris ça. Ils se sont statués sur le rapport de l'AMO qui avait été transmis en novembre. Et donc je n'avais même pas été au courant en plus. Donc, D'accord. Alors l'AMO, la différence, c'est quoi l'AMO? Alors pour que les gens c'est la comprennent. sauvegarde de l'enfance. D'accord. Donc c'est un autre service, d'accord, qui est en concurrence avec le premier. C'est ça? Non, c'est la sauvegarde de l'enfance. En fait, ce sont eux qui sont là pour la protection de l'enfance. Alors ils sont, oui, d'accord. Mais ils sont dans une protection abusive alors. Oui. En enlevant l'enfant à une maman, Ouais, ils m'ont enlevé. ils considèrent qu'ils protègent l'enfant, c'est ça? Ouais, et surtout que dès le départ, en fait, avant que l'AMO ne soit statuée, parce que lorsque je me suis séparée, je reprends un peu au début pour que les gens comprennent un peu la Ouais. situation que j'ai vécue. En fait, lorsque je me suis séparée, c'était en juillet 2020, il y avait le Covid parce qu'il y avait beaucoup de tensions à la maison et les enfants étaient violentés. Donc, j'ai fait appel à la CJPP qui s'occupe des femmes violentées et
des victimes des enfants aussi. Oui. Donc, elle a opté de me faire partie de la maison parce qu'il y avait trop de tensions qui accompagnaient de la PMI. Donc, la PMI m'avait invité de partir de là et que c'est trop conflictuel et voilà, que vous ne pouvez pas rester là avec vos enfants, il faut que vous partiez. Donc, j'ai appelé la juriste de la CJPD et je lui ai expliqué. Elle m'a dit que oui, je viendrai vous chercher pour vous accompagner et nous, on va vous loger un moment puisque vous vivez des violences avec vos enfants. Et donc, on va vous accompagner. Et donc, elles m'ont accompagnée et puis j'ai fait la demande de logement et j'ai eu mon logement et je me suis installée avec mes enfants. D'accord. C'était un peu moins tendu parce que j'ai retrouvé le calme et tout ça. D'accord. Mais sauf que ça a continué, monsieur a continué la provocation. En attendant, donc, il y avait la PMI qui avait mis en place pour que monsieur puisse voir son enfant. Donc, on se retrouvait dans les parcs parce que j'ai demandé des endroits publics parce que j'avais très peur. On ne sait jamais. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, avec mon fils, j'allais dans les endroits publics. En attendant, mon grand-fils aussi, il était un gros mineur. Donc, quand il regardait, il voyait l'enfant, il faisait toujours des conflits et je les avertissais que c'est insupportable. Je ne peux plus supporter ça, en fait. Il insultait même devant tous les gens qui passaient. Et alors, votre grand-fils, est-ce qu'il était témoin de ça des fois? Il était témoin, oui. Ouais. C'est, et donc là, pour l'instant, il a été enlevé, mais il est placé dans quoi? Dans un foyer? Il a été placé chez son papa. Il est chez son papa, là? Oui. C'est le papa qui a obtenu la garde, en fait. Oui. Ah oui. Donc, Donc là, et donc la motivation pour le placer chez le papa, c'est que vous êtes fautive. Oui, et en plus de ça, en fait, ce qui est étonnant dans cette affaire, c'est que quand j'avais quitté le logement et que j'avais été logée par la CJPD, et après j'ai trouvé mon logement à moi, donc mon fils, il y avait un jugement qui avait été statué, il avait un week-end sur deux, donc il voyait son enfant sans problème. D'accord. Mais sauf qu'après, son enfant avait eu des comportements qui m'ont interpellée. Ça a commencé le 1er mars 2021, parce que je ne peux pas oublier ce jour-là. Et donc, mon fils commençait à se cacher derrière les portes pour essayer de s'insérer des pailles de couleur bleue pour se mettre dans ses fesses. Bon, la première fois, j'ai juste dû râler en lui disant « ne fais pas ça, c'est pas bien » et tout ça. Après, je me suis dit « ça va passer » et tout ça. Je lui dis d'aller se coucher. Ce jour-là, il est parti. Le lendemain, je l'ai amené à l'école pensant que tout allait bien. Quand il est rentré de l'école vers 16h45, il a repris encore les mêmes gestes. C'est là où je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu fais ça? Il était en train de vous envoyer un message, en fait. Oui. Et donc, moi, il m'a donc dit qu'il a très mal dans les fesses. Et moi, je suis donc allée à l'hôpital de Bayonne. Oui. Donc, quand je suis arrivée à l'hôpital de Bayonne, l'infirmière qui m'a reçue, elle m'a posé des questions, qu'est-ce qui vous amène et tout ça. J'ai répondu que mon fils, il se cache derrière les portes et il essaye de s'insérer des objets avec quoi il joue dans les fesses. Après, il me dit, elle m'a posé la question, est-ce que vous êtes séparés? J'ai dit oui, depuis 2020. En fait, j'ai dit la vérité, donc j'ai oui, pas bien sûr, bien menti. Sûr. Et donc, elle me dit, donc, bon, ok, on va essayer de diagnostiquer ce que vous avez, ce que votre fils a. Et donc, quand elle diagnostique l'enfant, elle va en courant. Elle va voir son chef, elle lui parle, après elle revient. Je lui demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit, non, après. Après, elle repart encore, elle lui repose des questions à son chef, elle revient. Je lui dis, mais parlez-moi, qu'est-ce que vous avez vu en fait? Il me dit, madame, c'est grave, on vous garde. Je lui dis, qui? Oui. Ça, c'est à l'hôpital qu'on vous dit ça? Oui. Donc, ça veut dire qu'ils ont constaté quelque chose sur votre fils? Ce jour-là. Il dit, on vous garde. Alors, je reste gardée, quoi. Donc, je suis restée là avec mon fils. Après, mon fils, il disait toujours qu'il avait des douleurs. On lui a administré une doliprane.
On lui a dit d'attendre et que le lendemain, comme le lendemain, il devait voir le médecin. D'accord. Donc, le lendemain, quand le médecin est venu, on lui a exposé le problème. Par contre, le médecin a pris plutôt attache avec la sauvegarde de l'enfance, la protection, parce que nous étions déjà avec eux pour demander qu'est-ce qui se passe, et c'est quoi ce truc et tout ça. La sauvegarde dit, leur a dû leur dire que non, je veux accuser le papa, c'est sûr qu'il n'y a rien. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait un problème en fait. Bah oui. Après c'est là où le docteur me dit, mais non, votre enfant, peut-être qu'il est constipé, machin truc, ça n'a pas loupé, bingo, il a fait caca, il n'était pas constipé. Après, elle me dit, ouais, mais c'est pas grave, c'est juste l'érythème fessier. OK. J'ai dit, OK. Après, il y a une assistante sociale qui est venue me poser des questions de l'hôpital. Ouf. Après, moi, j'ai répondu ce que je peux, quoi. C'était tout. Donc, je ne savais pas ce que c'était, en fait. Après, quand elle m'a demandé de rentrer, moi, je suis rentrée. Elle m'a donné un papier de rapport. Ce n'est que l'érythème fessier, l'enfant est sale, il y a juste les cacas, un truc comme ça. Oui. Je suis rentrée le week-end du 5 mars. Il était à peu près 21h comme ça. Je devais l'endormir, le petit. Après, d'un coup comme ça, il me dit, papa m'a mis un dinosaure dans les fesses. J'ai cru ne pas avoir entendu, en fait. Je me retourne, je dis, mais qu'est-ce que tu dis? Il me dit, papa m'a mis un dinosaure dans les fesses. Ça me faisait très mal. Ah bon? Ah ben là, c'est quand même une révélation importante. Et le gamin, oui. il a 5 ans. Il a 5 ans. En ce moment-là, il avait 3 ans et demi, 4 ans. Ouais. Alors, je me tourne. En fait, ça m'a chamboulé à un moment. Je n'ai pas compris, en fait. J'ai dit, mais bah oui, bah oui, c'est la surprise, en fait. Oui. Après, je lui dis, mais non, mais peut-être je vais te mettre la crème si ça te fait mal, un truc comme ça. Après, je l'ai fait les chansons, il s'est endormi. Le lundi 8, je suis allée à l'hôpital pour leur dire qu'il y a un nouveau événement. Mon fils me dit ça. Et alors? Alors là, il réagit comment? Et là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et quand j'arrive, c'était au niveau de 18h parce qu'il était allé à l'école. Quand il est rentré, je l'ai directement amené à l'hôpital. Et quand j'ai vu le docteur ce jour-là, il me dit, oui, vous étiez déjà venu ici à la nuit du 2 au 3. Hein? Hein? Oui, mais vous n'allez pas continuer à venir ici. Je vais le consulter. Mais la prochaine fois que vous venez, vous allez voir, c'est mieux d'aller voir un médecin de la ville ou votre médecin traitant ou encore votre pédiatre. Ce n'est pas la peine de venir tout le temps ici. Ouais. Et là, j'ai pas trop compris son truc. J'ai pas compris. Je suis encore restée. Il a diagnostiqué. Il dit que on va vous appeler. Je vais essayer de consulter ceux qui vous ont vu la nuit du 2 au 3. OK. J'étais dépassée. En fait, je ne comprenais pas, en fait. Je rentre donc et le petit avait toujours mal, des douleurs. Il dit, j'ai très mal, maman. Il n'arrêtait pas de pleurnicher. Je ne savais pas quoi faire. Bah j'ai appelé une sœur qui était à Paris. Je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit que je suis allée à l'hôpital et l'hôpital a dit si, il a dit ça. Il me dit que non, c'est des menteurs, ils veulent couvrir l'acte en fait. En fait, ton fils, il est violé en fait. Ouais, donc, c'est ça. Ouais, elle me l'a dit comme ça. Elle me dit que mais c'est une catastrophe. Je lui ai dit, mais essaye d'aller aussi porter plainte. Je lui ai dit, mais est-ce qu'ils vont prendre ma plainte et tout ça? Je n'ai même pas de preuves, j'ai rien. Ouais. Après, elle me dit que mais il faut prendre aussi des photos, il faut prendre des trucs. Au moins, tu vas garder les preuves. J'ai dit, OK. Alors, le 9, je dis, je vais aller porter plainte, en fait. Ouais. Et quand je suis arrivée au commissariat, le commissariat dit, ouais, mais vous étiez déjà allé à l'hôpital, il n'y a rien, on n'a rien trouvé, votre fils n'a rien. Donc, on ne peut pas l'interroger. Je suis dépassée, je rentre. Et je commence à chercher sur Internet et tout ça. Après, elle me dit, vous revenez. Quand je reviens, elle interroge mon fils. Mon fils lui dit, à la police, mon fils lui dit, elle a posé la question, est-ce qu'on te fait du mal?
Il a dit oui. Où? Chez papa, dans l'auberge, dans l'eau. D'accord. Et ça? Ben, ça a été entendu par la police, ça. Oui, dans la police, elle a interrogé ça. Et Et Lionel, est-ce que ça fait partie d'un PV de la police? Est-ce qu'ils l'ont enregistré sur un PV? non, je ne suis pas sûre, non. Non, pas enregistré, je ne pense pas. Parce qu'elle m'a dit ce jour-là que il faut aller, vous revenez plus tard pour déposer la plainte. OK? Complètement Moi, dingue. j'étais toute seule, en fait, toute seule. Je ne sais pas quoi faire. Tout ce qui m'importait, c'était la douleur de mon fils, en fait. Ah bien sûr, non, mais je comprends. Après, je rentre. La seule chose que je lui donnais, c'était des Doliprane, des Doliprane, des Doliprane. Je ne faisais que lui donner bombardé de Doliprane. Ouais, mais Alors, j'ai essayé d'appeler mon médecin traitant pour voir oui. si je peux avoir un créneau pour qu'il puisse le consulter. Il n'y avait pas de créneau parce que c'était le moment qu'il y avait le COVID. J'ai essayé de contacter la pédiatre. Elle m'a donné rendez-vous. C'était à la fin du mois. C'était trop long. J'ai Bah oui. regardé sur Docteur Libre pour voir si je peux avoir un rendez-vous urgentement pour que je puisse faire consulter mon fils. Et donc, ça n'a pas loupé. J'ai trouvé un rendez-vous le 10, le 10, c'était un mercredi, c'était vers 17 h. Dès que je me suis présentée là-bas, cette pédiatre-là, qui était en ville, dès qu'elle me dit de déshabiller l'enfant, elle a commencé à dire, hein, qui a fait ça à cet enfant? Qui a fait ça à cet enfant? Je dis, comment, qui? Après, tellement qu'elle a répété que ça m'a fait bizarre. Je suis allée prendre un téléphone pour enregistrer le reste, en fait. J'ai dit que c'est qu'est-ce qu'elle me raconte, en fait. Elle me dit, après, elle me dit que ouf, c'est très, très, très irrité, hein. Il y a trop, trop, trop. C'est une grosse fissure en plus. Ouais. OK. Donc, quand elle finit de le consulter, quand elle a découvert qu'il y a une fissure anale et une inflammation péri-anale, je lui ai demandé de me donner un certificat. Donc, elle le note sur un certificat. Elle a D'accord. noté sur le certificat qu'elle a vu que l'enfant avait une fissure anale et une inflammation. Et bon, j'ai continué à enregistrer là où elle disait que si c'était vraiment une constipation, les constipations, c'est comme ça pour les grandes personnes, mais ça, c'est pas du tout ça. Elle l'a dit Oui. sur audio. Je suis Ben restée tranquille. Elle m'a posé la question, est-ce que le petit va chez son papa? J'ai dit oui. Est-ce que son papa a des grands-enfants? Je dis non, je ne pense pas. Est-ce qu'il a une femme, des enfants? J'ai dit je ne sais pas, je ne suis pas au courant, donc je ne sais pas. Alors, je suis rentrée à la maison, elle m'a prescrit le sulfacate, le sulfacate, pour que les douleurs s'apaisent et pour qu'il y ait des... peut-être, je connais pas, mais peut-être, oui, peut-être, ouais. Donc, et pour qu'il y ait des... pour que ça se cicatrise vite. Donc, et là, moi, je suis rentrée, j'ai essayé de le mettre ça. Le lendemain, je l'ai amené à l'école. J'ai demandé à la directrice, qui est la maîtresse de l'école maternelle, de changer son alimentation parce qu'il a le côté anal fissuré et que pour que la blessure guérisse vite, il faudrait qu'il soit bien alimenté. D'accord. Et là, ça a basculé aussi. Un truc de dingue. Elle me dit, non, je ne peux pas lui changer l'alimentation comme ça. Il faut un papier d'un médecin qui prouve qu'il a un problème. Je dis, mais pourquoi vous me dites ça? Il me dit, non, 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 je ne peux pas changer comme ça. On ne change pas l'alimentation d'un enfant comme ça. Il me dit, soit vous avez un document qui atteste qu'il a des problèmes, pourquoi on le change? J'ai dit, bon, OK. Je vais vous envoyer donc un document par mail, et voilà, et pour que vous puissiez changer l'alimentation, pour que mon fils, sa cicatrisation se fasse rapidement. Après, quand je lui ai envoyé le document, la directrice a pris son téléphone, elle a appelé le docteur pour lui demander c'est quoi ce certificat. Oh putain, c'est pénible, hein, c'est pénible. Après, donc, j'ai continué
à soigner mon enfant avec ce que j'avais. Je me suis présentée à la police. J'ai dit, je vais porter plainte parce que mon fils, quand même, a une fissure anale. Et depuis, il parlait que on lui met les dinosaures dans les fesses. Je vais porter plainte. Pour porter plainte, c'était de la bagarre, en fait. On me dit non, pas aujourd'hui, je ne vais pas te porter, tu ne peux pas porter plainte. C'est pas, on avait déjà vu qu'il n'y avait rien. Et s'il y a une fissure, ça veut dire que, ou un viol, ça veut dire que c'est chez vous parce que vous avez un grand garçon et vous avez aussi un copain. Un copain chez vous, qui vient chez vous, ça peut être lui. Putain, mais c'est dingue ça. Comment les flics ont le droit de faire des trucs pareils? Ils m'ont tout fait. Ils m'ont tout Franchement, vous savez que c'est important ce que vous dites, Lionel. C'est pour ça que des mamans qui témoignent comme ça, c'est important que les gens entendent ce que vous dites. Ça montre les dysfonctionnements qu'il y a même dans la police. On ne protège pas le monde des enfants, bien au contraire. Non. Après, donc, elle a fait un compte rendu. Un compte rendu, l'inspectrice, là, de soi-disant de quoi là, je sais pas, que mon fils n'a pas parlé, qu'il n'a rien dit. Il n'a rien dit, votre fils? Il n'a rien dit. C'est ce qu'elle a fait comme compte rendu. Mais en réalité, vous m'aviez dit déjà qu'il avait déjà parlé, qu'il lui avait Oui, dit. mais elle a fait le compte rendu qu'il n'a pas parlé. Putain. Vous avez le nom de cette policière? Oui, elle s'appelle Madame Nelly Martin. Voilà. Eh bien, il faut dénoncer. Il faut Oui, dénoncer c'est Nelly ce Martin, policière. je n'ai pas peur d'elle, mais c'est la vérité en fait. Et c'est Elle quoi? a dit que mon fils. Alors, Lionel, c'est quoi Oui. comme commissariat? C'est quoi? C'est où le commissariat? Le commissariat de Bayonne. Voilà. Voilà, vous avez entendu. Ils ont entendu le Oui. commissariat de Bayonne avec le nom et le prénom de cette C'est policière. Madame Nelly Martin. Donc, Voilà. elle a dit que mon fils n'a pas parlé. Elle a fait un compte rendu que mon fils n'a pas parlé. Dans le procès-verbal, elle a dit que mon fils avait dit qu'il y avait quelqu'un sans énumérer la personne, donc sans prononcer son papa. Ça m'a coupé le souffle de voir que Alors que votre fils, il avait bien dit que c'était le papa. il a dit que c'est chez le papa que ça s'est passé. Il a dit que il y a quelqu'un qui m'a fait ça dans le bain, dans l'eau chez papa. D'accord. C'est ce qu'il a dit. Et ce jour-là, elle n'a rien écrit, elle n'a rien dit. Elle dit que mon fils n'a pas parlé. Ça m'a dégoûté. Bon Ça ben m'a là, dégoûté. donc ça, si vous préférez, c'est important. Est-ce que la première fois où votre fils l'avait dit, quand vous l'aviez rencontré la première fois, ça n'avait pas été enregistré non plus? Ça. Non. D'accord. C'est voilà. Donc c'est voilà comment on cache les preuves, voilà comment on enterre des dossiers, et voilà comment après c'est vous qui vous retrouvez responsable de tout ce qui arrive. Vous Non. voyez? Mais c'est bien. Moi je suis là pour dénoncer ces choses-là, parce que des mensonges, j'en connais beaucoup dans les pratiques, d'accord? Mais là, ce qui est le pire, c'est que c'est ce qu'on appelle un mensonge par omission. On fait exprès de ne pas le marquer. Ouais, elle n'a pas marqué. Elle a refusé. Elle a fait le compte rendu parce que je l'ai lu chez mon avocat que mon fils n'avait pas parlé. J'étais en colère. Je dis, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'on puisse mentir comme ça. Et Lionel, est-ce que vous lui avez donné le certificat médical? En même temps. Oui, j'avais apporté le certificat médical, mais elle ne voulait pas. Elle voulait pas. Elle dit que c'est chez vous que ça s'est passé. Auparavant, elle disait que c'est chez vous que ça s'est passé. Vous avez un grand garçon, ça peut être son frère, ça peut être votre copain. Alors que voilà, alors que c'est pas ce que disait l'enfant. C'est incroyable. Ben voilà, ça s'appelle de la manipulation, Lionel. C'est voilà, c'est une manière de ne pas ouvrir une procédure. Je trouve ça triste, hein, Lionel. Je trouve ça très triste, en fait. Après, Bon. j'ai Ouais. insisté quand même à porter plainte parce qu'il y avait le certificat. Elle ne voulait pas prendre ma plainte. Et donc, j'ai été obligée de faire intervenir une sœur qui est à Paris où son copain est gendarme. Et c'est ce copain gendarme-là qui avait dû contacter un préfet de Paris, un truc comme ça,
pour que je puisse être entendue. Oui. Et il m'a envoyé voir le capitaine, un certain capitaine, comment il s'appelle encore, capitaine, là, je ne sais plus. Mais c'était un certain capitaine que je devais rencontrer. Mais où? Dans votre département? Dans votre département? Oui, oui, toujours dans la même, la même police que je devais aller rencontrer pour que je puisse déposer ma... Même la plainte, elle ne voulait pas que je dépose plainte. Cette dame, il fallait que je passe par des personnes que je ne connais pas, qui me mandatent d'aller voir une certaine personne pour prendre une plainte. Il faut passer par-dessus ceux qui vous interdisent, en fait. Oui. Heureusement que vous aviez une sœur qui avait un contact avec un homme, alors. Heureusement. Oui. Est-ce que ça vous a rendu service? Est-ce que vous avez pu déposer plainte? J'ai pu déposer plainte, mais avec beaucoup, beaucoup de peine, parce que ce jour-là que je suis allée déposer plainte, elle n'a même pas voulu prendre ma plainte. Jusque-là, j'ai bataillé, même la personne qui a intervenu, elle a dit que mais il faut que vous preniez sa plainte. Après, ils ont tellement fait trop d'amalgame, je suis restée là jusqu'à 19h30, 20h. La plainte n'avait pas été prise. Elles m'ont dit, faut rentrer, vous revenez demain. C'est Nelly Martin et sa consoeur qui s'occupe de ce genre de dossier, dont vous revenez pour que vous déposiez plainte. Et quand je pars, donc, je pars, elle reste dire là-bas que je suis partie, je n'ai pas voulu déposer plainte. Par contre, ça, j'avais fait un enregistrement hein, quand je suis partie ce jour-là. Hein, et j'ai des preuves de ça, de ce que je suis en train de dire. C'est important. Si vous voulez, vous avez un enregistrement audio? Oui. Si vous voulez, pour pas qu'on vous emmerde, je peux les mettre au bout de la vidéo si vous me les envoyez par email. D'accord. Comme ça, ils ont la preuve parce qu'ils ne pourront pas vous embêter. Si en plus vous pouvez prouver par ce genre de choses, je veux bien le mettre au bout. D'accord? Je mets une image, je mets le son, d'accord? Et voilà, c'est au bout. Les gens, ils ont ce que vous avez dit, et en plus, une preuve qui prouve que ce que vous avez fait et ce que vous avez dit était vrai. Oui. Okay. Donc, je suis revenue le lendemain pour déposer plainte avec beaucoup de peine. Après, elles ont pris ma plainte, mais légèrement, quoi, vite fait, quoi. Oui. Donc, mais ça avait été déposé, et voilà, je suis rentrée pensant que les enquêtes seront faites. Normalement, mais non. Après une semaine, on m'annonce une fois quand je voulais plus donner mon enfant au papa parce que il y avait déjà une plainte en cours. Et mon avocat de l'époque m'avait dit que si vous saviez que votre fils est en danger, il faut pas donner votre enfant. Ah, il faut protéger votre enfant. Ah, et donc c'est votre avocat qui vous avait dit. C'est l'ancienne avocate qui me l'avait dit, oui. D'accord. Donc, et là, moi, j'ai essayé de protéger mon enfant ce jour-là et la directrice de l'école s'était interposée que je ne récupère pas mon enfant. Et pourtant, c'est la directrice de l'école. Oui, oui, et j'avais aussi enregistré ce jour-là parce que c'était tombé au répondeur parce que j'étais au téléphone avec une amie, c'est tombé au répondeur et donc ça a enregistré. Et donc, elle me disait de ne pas récupérer mon enfant parce que je devais l'amener ce jour-là voir l'urologue. Elle m'a dit que, ouais, tu ne peux pas récupérer ton enfant, ce n'est pas ton jour pour récupérer ton enfant. Donc, vous devez le laisser là, c'est le tour du papa. Et de toute façon, votre plainte est classée sans suite. Ah, carrément. Oui, elle me l'a dit comme ça. J'ai dit, mais comment elle le savait? Qui lui a dit? Soit le papa était au courant parce qu'il était de connivence avec la police, hein, soit c'est la police elle-même qui lui a dit. Parce que moi, je n'avais aucun papier, aucune information que c'était classé en une semaine. Je ne savais pas. Et j'ai reçu le papier, c'était le 6 mai. Le 6 au 7 mai 2021. Donc pourtant, l'acte s'était passé en mars. Presque 2 mois après. Ouais. C'était parce que 2 mois que j'ai reçu le papier, mais elle était au courant en une semaine que c'était classé. J'ai dit, mais quand est-ce que les enquêtes ont été faites? Donc là, on a la démonstration de gens qui cautionnent des actes pervers,
voyez. Donc, que ça passe par une directrice d'école, que ça passe par une policière dans un commissariat, d'accord, on voit que la parole de l'enfant n'a aucune importance. Non. Aucune importance, d'accord. Non, ça ne compte pas. Voilà. Donc, et voilà les conséquences. Voilà le drame d'une vie, d'une maman et d'un enfant. Parce que pour l'instant, maintenant, donc là, on est en 2023, vous en êtes où dans le placement de l'enfant? Il est toujours chez son père? Ouais, il a été placé, c'est le 20 février là, 2023 qu'ils l'ont placé, ils l'ont statué le placement chez son papa. Donc, ce qui avait comme motif, en fait, il n'y a pas de danger chez moi, il n'y a rien. En fait, ils n'ont rien trouvé. Et en plus de ça, la TISF, qui est l'intervention à domicile, a dit que madame est une bonne mère. En plus de ça, elle reçoit d'autres enfants à la maison et elle a son grand-fils avec ses copains qui aiment leur petit frère. Donc, eux, ils ont trouvé que je suis une bonne mère, en fait. Mais ça contredit tout ce que la sauvegarde de la protection de l'enfant dit. Donc, ça fait ces deux rapports. Et la sauvegarde de l'enfant, c'était quoi? Une personne, deux personnes? Vous avez un nom? Vous avez un prénom? Madame Ariol, c'est elle qui venait là. C'est Madame Ariol. Madame Ariol? Oui, Madame Ariol de la sauvegarde, oui. D'accord. Elle a un prénom? Non, je connais juste que c'est Madame Ariol. Elle est la seule. Hein. Alors, j'essaye de faire donner les noms. Pourquoi? Parce que c'est important. Il faut les mettre en cause. Et elle aussi, je lui avais envoyé pas mal de paquets de mails hein, de comment mon enfant était. Hein. Elle est au courant de tout, elle. Et elle-même, je lui avais demandé à cette dame-là, mais interrogez mon fils, parlez-lui. Elle m'a dit que je ne peux pas l'interroger, c'est pas à moi de protéger l'enfant, c'est à la police. Elle me l'avait dit. Alors, elle dit que c'est à la police de protéger l'enfant et la police, elle protège personne. Personne. Voilà, donc comme ça, la boucle, elle est bouclée. On a compris pourquoi ça dysfonctionne. Ouais. Mais voilà, c'est pour ça que ce genre de témoignage, il est important. Parce que quand vous expliquez ça, des fois, s'il n'y a pas une vidéo pour le prouver, pour le dire, pour l'exposer, les gens, ils comprennent rien du tout. Ouais. Et moi, mon but, c'est d'avoir un maximum de mamans qui témoignent des travers, des perversités, des mauvais mécanismes qui engendrent tous les dégâts qu'on provoque aux mamans et aux enfants. C'est un but, hein. C'est un but. C'est ça. Et en attendant, mon fils, il avait son canal, il est très, 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 très ouvert. Très, très, très ouvert, de telle sorte que même quand la TISF était venue une fois chez moi, elle s'appelait Sonia en ce moment-là, mon fils, qui avait déjà 4 ans en ce moment, ça faisait bien longtemps qu'il ne faisait pas caca sur son front. Et ce jour-là, il est sorti tout seul. Après, c'est elle en plus qui m'appelle pour me dire, ouais, il a fait caca sur lui. Je lui dis, mais pourquoi tu fais caca? Qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, maman, ça sort tout seul. Et je suis étonnée qu'elle, en faisant le rapport, elle ne l'a pas énuméré. Elle n'a pas dit que mon fils, elle a fait caca sur lui. Et quand elle était revenue une autre fois, j'ai quand même fait un enregistrement. Je lui ai demandé que mon fils t'a dit que le caca était sorti tout seul. Pourquoi tu ne l'as pas mis dans le rapport? Elle m'a dit que oui, mais il y a parfois les enfants, ils font caca comme ça et tout ça. Et moi, j'ai fait l'enregistrement, quoi. J'ai dit qu'à un moment, c'est bon. Il y a des choses qui se passent. On ne le fait, on ne dit rien. On ferme sa gueule. On laisse l'enfant souffrir. Mais c'est-à-dire qu'ils ne font pas de lien de cause à effet. Non. Moi, j'appelle ça de l'incompétence. C'est de l'incompétence. Ils ne sont pas au courant des travers et des conséquences que peuvent subir un enfant sur son propre corps. Voilà. Eh bien, grâce à vous, malheureusement, grâce à ce témoignage-là, peut-être que cette responsable-là qui n'avait pas fait le rapport, la prochaine fois, elle comprendra qu'il faudra l'écrire dans un rapport. D'accord? Ils sont un peu imbus d'eux-mêmes. Hein. Et en plus de ça, ils mettent la faute à moi. Depuis le départ, ils ont commencé à dire que ça peut être mon fils ou encore un copain qui vient chez moi.
Ouais, non, mais ça, Après, maintenant, ce n'est plus ça. Maintenant, ils écrivent que non, l'enfant est constipé parce qu'ils ont constaté en octobre que l'enfant était avec le ventre ballonné, il rentrait le ventre ballonné, parfois il faisait caca, parfois il ne faisait pas caca. Après, ils disaient que ça peut être la constipation, que je dois voir. Bon, alors après, Lionel, c'est pas compliqué. Après, ils vont essayer d'inventer ou de trouver tous les prétextes qui peuvent couvrir les bêtises qu'ils ont faites ou les non-déclarations qu'ils ont faites, qu'ils n'ont pas faites, d'accord? C'est une manière de couvrir leur responsabilité. La responsabilité, c'est quelque chose qui est important. Donc, s'ils ne trouvent pas le prétexte, voire même des mensonges, parce que des fois, ils sont obligés de mentir pour pouvoir couvrir leurs propres bêtises, leurs erreurs. Voilà. Et c'est comme ça que les conséquences sont graves derrière. Parce que je ne dis pas que à chaque fois, c'était intentionnel ce qu'ils font. Mais leur bêtise, elle est tellement énorme qu'ils se rendent compte qu'après des conséquences que ça peut avoir. Et c'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave. Donc, s'il n'y a pas des vidéos pour prouver que leur propre bêtise, elle a des conséquences, ben, ils ne s'aperçoivent même pas de leur bêtise. Oui. En plus de ça, même, je me suis présentée plusieurs fois. J'ai contacté ma pédiatre pour lui dire qu'il y a tel ou tel problème avec le petit et tout ça. J'ai envoyé des mails. Elle m'a dit d'aller voir l'unité de victimologie. Oui. Et je suis allée voir l'unité de victimologie. Et l'unité de victimologie a interrogé l'enfant. Ça, je l'avais enregistré. Ça, ils ne le savent pas. Et ils ont pris l'enfant, allé dans la salle et commencé à lui interroger. L'enfant disait qu'il ne veut pas se faire consulter. Pourquoi? C'est parce qu'on lui fait du mal. Il le disait. Il a répété à plusieurs reprises. Il a refusé ce jour-là de se faire consulter à plusieurs fois. Vous savez comment est-ce qu'ils l'ont consulté? Dans les toilettes. Elle a consulté mon enfant étant debout, comme ça. L'enfant avait le cul assis comme ça. Elle l'a consulté étant comme ça. Elle me dit, il n'y a rien. J'ai dit, mais non, mais attends, il n'y a rien, quoi. J'ai dit, mais sa consultation était bidon, en fait. Et quand moi, j'ai vu ça, j'ai compris de suite qu'en fait, ils savent quelque chose, mais ils le cachent. Ils le cachent, ce n'est pas possible de consulter un enfant comme ça. Oui. Un enfant qui est accroupi, toi, tu es debout, tu le consultes comment? Non, non, mais c'est ça. Bon, voilà, c'est... En plus de ça, je rentre, elle me dit, non, il n'y a rien, il n'y a rien. Je repars une autre fois, je lui dis que mais l'enfant continue à se plaindre. Il faut faire quelque chose. Elle se plaint en me disant que c'est plusieurs fois tu viens ici à l'unité de victimologie. Elle écrit au procureur que depuis que madame fait consulter son enfant, on n'a rien trouvé. Elle a fait un signalement pour ça. D'accord. Et comme ça, on vous dit que vous êtes abusive. Voilà. Et après, c'est vous qui devenez coupable. Oui, et là, il retourne la situation en disant que c'est moi qui fais les allégations. D'accord. Ben non, mais je comprends. Je comprends très bien le mécanisme. Hein. Donc, en tout cas, c'est d'une tristesse absolue, en fait, Lionel. Oui, et en attendant, elle a envoyé ça au procureur. Et moi, donc, mon avocat m'a dit, ma nouvelle avocate, elle m'avait dit, ne partez plus, même si votre fils a mal, ne partez plus. J'ai dit, mais c'est pas possible. Je lui dis, c'est pas croyable. Comment mon fils continue à avoir mal? C'est l'unité de victimologie, elle est là pour ça. Mais ouais. Vous me dites de ne plus y aller, en fait. Et l'enfant continue à se plaindre. Il avait un truc dilaté comme ça, gros comme ça, que quand tu vois, tu mets toute ta main dedans. Je regardais mon enfant comme si je le voyais. Je voyais, j'étais dépassée, j'étais dépitée. Ben oui, je ne savais pas comment faire. Je ne savais même plus où commencer. J'étais comme ça, j'ai dit, tout me tombe dessus. Non, non, mais je comprends très bien. Et tous étaient contre moi, tous sont contre moi. Je fais les allégations. Je ne donne pas l'enfant, non représentation d'enfant. Je suis condamnée. C'est-à-dire, ils m'ont tout fait. Ils m'ont tout fait. Ben oui, non, mais Même le jour que j'avais la garde, la directrice a intervenu, même quand j'allais chercher l'enfant, elle a toujours intervenu que je ne prenne pas l'enfant. Elle a pris l'enfant donné à son père, pourtant ce jour-là, c'était mon jour de garde.
Et finalement, elle est allée porter plainte que je l'ai violentée. Bon, c'est un témoignage, c'est un témoignage qui est important, Lionel. Très important. Voilà. Je ne sais pas comment m'en sortir dans cette situation. Je ne sais pas. Alors, est-ce que vous êtes en relation avec des associations de défense des enfants ou pas sur votre région? Hein? Non. Va falloir trouver des alliances à ce niveau-là. Faut pas que vous restiez toute seule. D'accord? Moi, j'essaye de trouver des liens dans les départements, de trouver des collectifs qui défendent le monde de l'enfance. Et les témoignages tels que le vôtre a pour moi de l'importance par rapport à ce qui peut être révélé et qui donne envie aux autres mamans de dénoncer les mécanismes qu'ils subissent. D'accord? Donc, écoutez, Lionel, ce que je souhaite, c'est que vous m'envoyez un ou deux enregistrements qui vous paraissent importants en audio, que moi je puisse les mettre au bout de cette séance de vérité. D'accord? Parce que pour l'instant, vous êtes dans l'attente, parce que là, on a fait le tour du problème. Les gens, ils ont compris tout ce qui vous arrive. Ce qu'il faudrait maintenant, je vous dis, c'est de vous trouver des gens qui vous appuient, qui vous aident, une forme d'association qui vous soutienne dans le département. Je pense qu'il doit y en avoir. Hein. Je vais avoir des contacts d'autres personnes dans votre région ou à proximité, dans le 40 ou dans les départements qui sont proches. Mais on va rester en contact. On va rester, j'essaierai de vous trouver, moi, les bonnes personnes à qui il faut répondre. Je verrai avec le réseau avec qui je travaille, qui a une grosse structure, s'ils ont des bons contacts sur votre département. Et je vous mettrai à ce moment-là les personnes avec qui vous devriez échanger de telle manière que vous vous sentiez pas toute seule. On est d'accord, Lionel? On est d'accord. Est-ce que vous sentez que ce que vous venez de dire a une importance énorme? Oui, parce que il faut parler, il faut pas fermer sa bouche, et surtout que les enfants, c'est des êtres qui n'ont rien demandé en fait. Ils n'ont que demandé à être écoutés, à être éduqués, dorlotés, voilà, à avoir de l'affection. Je ne comprends pas la France, un pays de droit, comme on dit, droit de l'homme, qui laisse enfoncer les enfants comme ça, et sachant que demain, un pays sans enfants est un pays mort, quoi. Je ne comprends pas. Alors, je vais faire un petit complément dans ce que vous dites. Pour l'instant, ceux qui nous gouvernent, ils n'ont qu'un objectif, détruire notre nation, détruire notre pays. Parce que ce que vous vivez dans le monde de l'enfance, on le vit aussi dans d'autres domaines. Par exemple, je prends le monde de l'entreprise. Si vous saviez les dégâts qu'ils font dans le monde de l'entreprise, eh ben vous vous apercevez que c'est de détruire notre pays. Il n'y a plus rien qui fonctionne bien, plus rien. Et donc, le facteur enfant, pour moi, je considère que l'enfant, c'est pour moi... Allez, regardez bien ce que je vais mettre juste en dessous. Il y a Lionel, une maman qui a des choses à dire. D'accord? Regardez bien ce que je mets. Oui. L'enfant, tu es l'avenir du monde. Oui, c'est vrai. D'accord? Eh bien, c'est mon combat. Parce qu'il n'y a que en fédérant les mamans et en montrant que c'est l'enfant qui a une importance, qui est l'avenir du monde, qu'on va pouvoir réveiller des consciences. Et croyez-moi, le genre de témoignage que vous avez fait là aujourd'hui, c'est pour moi quelque chose de très important. C'est révélateur des dysfonctionnements à tous les niveaux. Voilà, donc si vous aviez un mot de la fin, parce que je crois que là, même si on est appelé à se retrouver ou à se revoir, hein, bien entendu, mais on arrive déjà à un terme, ça fait 50 minutes, mine de rien. D'accord. Oui. Si vous aviez un petit mot de la fin à dire ou encore, est-ce que vous avez quelque chose de complémentaire à faire ou vous avez déjà... Je souhaiterais demander, j'ai fait appel à la décision qui a été prise par la sauvegarde, donc j'ai fait appel. J'aimerais, parce que je n'ai pas trop de conseils, en fait, j'agis toute seule. Oui.
Donc, ce n'est pas facile pour moi. Et donc, puisque les rapports d'investigation qui ont été donnés, je voudrais demander la contre-expertise. Est-ce que je ne sais pas si je. Comment est-ce que ça se passe parce que je ne m'y connais pas beaucoup. D'accord. Bon, en tout cas, ce qui va être précieux, et il faudra l'utiliser parce que ce que vous venez de faire comme enregistrement, il y aura un lien que vous pourrez partager, que si jamais on vous demande d'expliquer certaines choses, si vous avez envie de l'envoyer à un juriste ou à quelqu'un que vous connaissez, surtout, il ne faudra pas hésiter. C'est un outil de support, hein. C'est un outil de support. Mais entre-temps, moi, j'essaierai de vous trouver peut-être, des gens qui sont capables à répondre à ce genre de questions. Parce que malheureusement, il y a encore quelques avocats qui travaillent correctement, mais il y en a de moins en moins. Parce que derrière, vous vous apercevez, et ça je vous le dis, hein, donc, que vous avez certains avocats que l'on oblige à pas défendre les mamans. C'est ça. Je pense D'accord? que la mienne a été obligée quelque part parce qu'elle a voulu faire des choses, mais après, elle s'est arrêtée. Donc, elle m'a Alors. laissée toute seule. Alors, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle des sphères supérieures. D'accord? Et là, on frise des fois, on va dire, entre guillemets, le satanisme qui est au-dessus. D'accord? Avec des gens qui sont puissants et qui imposent à des avocats de ne pas défendre certains dossiers. Et moi, je connais même des juges qu'on a cassés parce qu'ils voulaient ouvrir des dossiers. Hein? Donc ce n'est pas nouveau. Mais il y a qu'en faisant l'alliance entre les gens, entre les victimes, entre les mamans, voire même aussi des papas, parce qu'il y a aussi des papas qui sont victimes de l'enlèvement. Hein. Là, je vais bientôt faire une émission avec le papa et une maman, les deux. C'est le couple à qui on a enlevé l'enfant. Hein, vous voyez, donc ils ont essayé de faire divorcer le couple, ils n'ont pas réussi. Vous voyez, donc comme quoi des fois la manigance. Mais c'est tous ces témoignages-là qui sont complémentaires et qui sont nécessaires pour que les gens puissent ouvrir les yeux. Et pour ça, Lionel, je vous remercie beaucoup. C'est très important. Je vais envoyer le générique de fin en vous remerciant beaucoup. Et je vous C'est laisse moi qui parler. vous remercie d'ailleurs de me faire passer dans votre émission afin que je puisse quand même m'exprimer parce que c'est pas facile de trouver un média qui accepte cela. Donc, Alors, moi, je. j'ai cette petite fonction-là et de créer ce qu'on appelle des alliances avec des mamans victimes. D'accord? Pour montrer qu'il y a beaucoup de victimes. Mais il faut pas que les mamans restent toutes seules dans leur coin. Il faut qu'elles montrent, d'accord? Il y a celles qui ont envie de parler, il y a celles qui n'osent pas parler, d'accord? Mais plus il y a de mamans qui vont parler, plus il y en a qui auront envie de parler. Voilà. Donc, en attendant, je vais envoyer le générique de fin en vous remerciant encore une fois. Merci. Mais je réintroduirai les petits sons que vous allez m'envoyer, d'accord? D'accord. Au bout de la vidéo. Vous êtes d'accord, D'accord. Lionel? OK? Oui, d'accord. Donc, j'envoie le générique de fin. Je vous dis merci pour cet entretien et Merci. surtout, on reste en contact. D'accord, Lionel? OK? Revoir. Au Merci, revoir. merci, Lionel.